Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur Brain Test. Alors ceci est un jeu qui se retrouve sur mobile et c'est gratos. Plusieurs d'entre vous veulent que je joue à ce jeu pour tester mon intelligence et c'est pour ça que je suis ici. Ceci est le premier niveau, on n'a pas le temps de niaiser, mais je tiens à vous dire que les trois premiers niveaux ont été complétés. C'est mon fils qui a complété ces niveaux, je ne sais même pas comment il a joué à ce jeu, voyons donc. Mais bon, whatever, lequel est le plus gros? Évidemment que c'est l'éléphant, Pourquoi l'éléphant n'est pas le plus gros? Ok, j'ai compris, le plus gros dans l'image. J'ai joué à un jeu similaire qui s'appelle Brain Out et il faut penser hors de la boîte en gros. How to blossom this flower, comment faire en sorte que cette fleur réussisse à pousser. Faut juste faire en sorte que le soleil soit là, voyons donc la photosynthèse, pepito amigo. Put the elephant into the fridge. Mettre l'éléphant dans le frigo. J'ai ouvert le frigo, je l'ai mis dedans, ok, c'est pas si pire que ça, hein. Donc niveau 4, which one is closest to us? Lequel est le plus proche de nous? Je crois que c'est le soleil parce que il est en bas. Comme le iPad est en bas, donc whatever, man. Non mais pour vrai, regardez ça, je tiens le iPad comme ça, le soleil est le plus proche de moi, non? Comme what? Tu veux dire c'est ça? Pourquoi? Oh! Plus proche du mot us! Oh mon dieu, comment j'ai pu me faire avoir par ça, man? Oh man, les pizza slice, do we have? Combien il y a de points de pizza? Il y en a 5, mais je sens que c'est pas 5. Attendez. Oh! Peut-être au début, il y avait combien de points de pizza? C'est sûrement 6. 5? What? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire là, man? Peut-être que je peux bouger les pizzas. Oh, évidemment, il y a des petits pièges comme ça. Il y en a 8, les amis. Quoi? What? Oh my god, 9. Comment j'ai pu me faire avoir comme ça? Et comment ça, il y a 9 points de pizza? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? How much did you like our game? 5 étoiles. Let's go, man. Ok, c'est bon. I overtook the second place racer. What is my position? Ok, donc on parle de course. Il a dépassé le bonhomme en deuxième place. C'est quoi sa position? Deuxième place, évidemment! Puisqu'il a dépassé le bonhomme en deuxième place, c'est lui qui a la deuxième place! Attendez une seconde, on me dit de regarder une vidéo pour avoir 40 trucs gratuits? Yo, vous êtes sur... Non. Slide left to unlock. On me dit de faire quelque chose comme ça, là? Mais ça marche pas? Quoi? Badin? Hein? Oh, la gauche! Slide left! Oh mon dieu, je me suis trompé entre left et right, comme, je sais c'est quoi left et right, mais, oh, whatever, man. Ça m'a pris 10 ans pour le savoir parce que j'ai vu le rectangle, on dirait qu'il faut aller vers la droite, mais c'est écrit slide left, donc, va vers la gauche. Est-ce que vous êtes sérieux? Oh, ça a tellement joué avec mon cerveau, c'était incroyable. Mais bon, feed the cat, please, he's hungry. Ok, il faut que je nourrisse le chat, il a faim. Je peux pas bouger des fils barbelés, je peux pas bouger, ah, je peux bouger ça, ok. Je peux bouger le chat? Pas du tout. Non. Ah, oh, attends, il y a sûrement un moyen de le faire sortir du petit carré rectangle. Non. Ok, c'est bon. Parce que... Oh! Mettre les biscuits dans le mot chat. Est-ce que... Where is the green ball? Ok, où est la balle brune? Green. Pourquoi brune? Verte, les amis! C'est rendu que ce jeu joue tellement avec mon cerveau que je dis n'importe quoi. Mais je sais ce qu'il faut faire. Combinaison de couleurs. Le jaune et le bleu, ça donne vert. J'ai appris ça en or plastique quand j'étais au secondaire. What is unusual in this picture? Qu'est-ce qui est bizarre dans cette photo? Le mot unusual? Je sais pas. Les amis, je suis en train de taper partout, il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce qui est bizarre dans cette picture? Rien du tout. Yo les potos, je vous jure, je suis coincé depuis 5 minutes dans ce niveau. J'arrive pas à faire quoi que ce soit. J'ai tapé partout, j'ai slide partout. Comme j'ai essayé de glisser des personnages à gauche, à droite, en haut, en bas, en diagonale, y a rien qui se passe. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va utiliser 25 ampoules pour voir qu'est-ce que ça fait. Look at their hands carefully. Regarde leurs mains. Qu'est-ce qui se passe? Leurs mains? Hein? Ok, je regarde leurs mains. Même à ça, je vois rien, man. Tout ce que je vois, c'est le clown qui a 6 doigts. Yo, moi, je trouve pas ça bizarre, les amis, parce qu'il y en a qui ont 6 doigts, comme... Ok, alright. Which one is longest? Lequel est le plus long? Février. Parce que on écrit, et puis c'est plus long que les autres, voyons donc. Catch 5 falling apples. Donc, je dois pogner... Attends, 3 autres? J'ai pas pogné les autres pommes qui vont vers le haut, hein. J'ai pogné les pommes qui vont vers le bas. Si je pogne ceux qui vont vers le haut, ben c'est pas des falling apples. Non.
Tom must jump to the other side. Tom doit sauter de l'autre côté. Alors je dois rapprocher. Je suis sûr qu'il faut utiliser les doigts. Vous savez, comme zoomer là sur l'iPad, regardez ça. Ça marche bien, mon affaire. Oh! Oh! Champignon! Ne me dites pas... Turn off, too dangerous. Ok, il faut faire en sorte que je l'éteigne, c'est trop dangereux. Ben non, hein. Non. Non. Oh, ok, je sais. Ah, ok, ça marche pas. Je croyais qu'il fallait comme couper des petits zzzz juste là. Au moins qu'il faut juste que j'appuie sur le bouton. Wow, des fois la solution est super simple et juste... Ok, 4 plus 5 égale 9. Ok, non, 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 oh, ça c'est un piège. Faut faire les multiplications tout d'abord. 5 fois 5, 25. Donc, c'est 4 plus 25 égale 29. Moins 2, 27. Regardez, si je fais mon couche-tout par la fenêtre. Évidemment, je suis allé à l'école, la pépita amigo. Tap them, désolé, tap them in order. 149, 80, 5, 7, 11, 101. Ok, 1. Oh my god, les amis, c'était quoi encore? Je sais que le numéro 101 est en dernier. 11, 87, 5, 101. Submit. Ok, 149. Attends, 149, 80. Ok, c'est bon. Tat, 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 tat. Voilà, exactement. Je sais, je savais que ça allait disparaître là. J'allais mieux me concentrer. What is the hidden number? Ok, quel est le chiffre caché? Ben, le nombre caché peut-être. Chiffre, c'est 0 à 9. Nombre, c'est 10 et plus. Donc, 5 moins 15. Attends, non. 5, 15, 25. Ça doit être 50, mais je sens que c'est un piège. Eh, hey, pourquoi j'ai écrit 59? Attends. 50. 5. Attends. De 5 à 15, c'est plus 10. De 15 à 25, c'est plus 10. Ne me dites pas que c'est un plus 10. Donc 35? 5? 5, 15, 25? 100? J'ai mal à la tête. Oh non, 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 ne me dites pas que c'est vraiment ça. La roche cache un chiffre. Oh! C'est pas un chiffre, c'est un nombre, ça, voyons donc. Pourquoi j'ai essayé de faire des maths dans ma tête, les amis? J'ai essayé de chercher la logique. Oh, des fois, je me déteste, man. How many months have 28 days? Combien de mois a 28 jours? 1? 0? Oh, 12! Parce que... Oh! Je me suis fait avoir, les amis! I cannot believe this! Chaque mois, 28 jours, comme de base, comme... Ok, please save this boy. Ok, il faut que je sauve ce chien, mais je veux dire, ce bonhomme, mais... Attends. Wow, ok, ne me dites pas qu'il va pleurer à longueur de journée. Il y a une pelle. Oh. Yeah, j'ai sauvé le petit garçon. Je suis un boss. Where is the black sheep? Où est le mouton noir? Je peux pas bouger les moutons. Je peux bouger le black. Je la sentais ça là. J'ai tellement joué à Brain Out que je sais ce qu'il faut faire parfois. What is the last letter and spelling? Quelle est la dernière lettre? La dernière lettre? Oh, G! G! Le mot spelling. G! La dernière lettre de spelling, c'est G. Pourquoi j'ai pas pensé à ça depuis que je sentais que c'était ça, voyons donc. There is an intruder and a cat party. Ok, il y a un intrus dans le cat party. C'est lui, là. Il y a un bonhomme... J'avais tapé sur le bonhomme qui regardait tous les chats. Je sais pas si vous l'avez vu en bas à gauche de la photo, on va dire. Une chose que ce bonhomme crie pas à longueur de journée, hein? Imaginez qu'elle crie... Comme ça, oh non, même ce que je fais, c'est insupportable, alors, my bad, save her, comment je peux la sauver, faut faire le cas avec le chat, alright, yo, un petit psycho au chat, non, non, ok, alrighty boy, donc, le chat, il doit faire trébucher, le bonhomme, aller dans la poubelle, non, ok, oh, je peux bouger la poubelle, oh, je peux bouger les roches, oh my god, ok, yo, il y a trop d'éléments que je peux bouger, alors, il faut que je lance ça sur toi. Ça sur toi! Ça marche bien, mon affaire!
Oh! Oh! Évidemment que je peux bouger les nuages. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Catch the mouse. Faut attraper la souris. Et donc je tape sur la souris. Non. Faut que... Oh, faut vraiment que je joue avec... Ah. Je sentais qu'il fallait faire ça depuis le début. Pourquoi aller là-dedans quand il n'y a même pas de sortie? Comme il n'y a aucune solution, voyons donc. Miaou. Miaou, miaou. Tommy's hungry. Please help. Ok, il a faim. Je dois l'aider. Tiens, voilà, mange. Frérot, vas-y, tu peux manger. Ok. Je suis en train de cuire la... Il y avait une souris dedans. T'étais en train de cuire une souris bladée. Make them fall in love. Quoi, je dois jouer à Cupidon? Je dois faire en sorte que ces deux bonhommes s'aiment? Bon ben... Un petit bisou? Ça marche pas? Ok. Oh non non non. Ok. Je vais vous dire quelque chose. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé. Quel lancer de dés terrible! Aide-moi, s'il vous plaît! Ok, d'accord. Donc, il faut que je relance les dés. Attendez, je vais jouer avec les lettres. Non, y a rien qui se passe. Je tape sur le dé numéro 1, y a rien. Je tape sur le dé numéro 2, y a rien. Qu'est-ce que je fais? Je peux dézoomer, dézoomer. Je tape sur les deux en même temps. Y a rien qui se passe. Waouh! L'écran n'a pas bougé d'un poil. Imaginez qu'il faut que je fasse ça! Je la sentais celle-là. Pour quelque raison, je la sentais celle-là parce que j'ai touché à tous les trucs qu'il y avait sur l'écran. Il n'y a rien qui se passait. Alors, click on the cows, please. Ok. Attends. Oh my god. Est-ce que vous êtes sérieux? Un peu de respect, les potos. Which cat is on the right? Quel chat est vers la droite? Mais le mot right peut être droit. Comme, qui a raison, en fait. Comme, quel chat a raison? Je crois pas que c'est un jeu de mots comme ça, là. Which cat is on the right? J'ai swipé. J'ai fait ça. Voilà. Fallait y penser. Spot the difference. Quoi? Il faut que je trouve le nombre de différences? Attends. Il faut que je spot les différences pour vrai? Vous n'êtes pas... Oh, ça va être long, guys! Y'a rien qui se passe lorsque je check le iPad, d'accord. Lorsque je tourne. Y'a rien qui se passe non plus, ok. Zéro différence. Oh my god, pourquoi j'ai pas tenté le coup, je vous jure, j'ai passé mon temps à chercher les différences, à en chercher et à en chercher. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de sauter par la fenêtre. How many holes are there in the shirt? Combien de trous y a-t-il dans le t-shirt? Alors, un à gauche, un à droite, un en haut, un en bas. 4. Qu'est-ce que ça va bien, mon affaire? Combien de trous il y en a? 6! Parce qu'il y a 2 trous au milieu du chandail. Ne me dis pas que c'est 2, vraiment. Ok. Alright, ça va bien, mon affaire. Yo, imaginez que c'est vraiment 8. Oh my god, les amis! C'est exactement ce que je pensais, parce que regardez. Un trou, 2 trous, 3 trous. Et en bas là, ici 4 trous, mais ensuite, il y avait 2 trous dans le chandail, mais c'est en avant et en arrière, ce qui fait 4, comme... Oh, oh, je sais même pas pourquoi j'explique ça là, oh my god, ok. Donc, c'est quoi cette affaire là? 2 plus 3 égale 6, ok, t'es en train de me dire des conneries. 5 plus 6, oh, c'est des multiplications, pas des divisions, pas des additions, wow, je connais même plus mes affaires. Addition et division, ça se ressemble, mais il faut tourner un peu le signe. Anyway, le chiffre... Plutôt le nombre, 24. 8, 16, 24. What? Regardez, 2 fois 3 égale 6. 2 fois, 5 fois 6 égale 30. 2 fois 1 égale 2. 3 fois 8 égale 24, non? 8, 16, 24. Ben oui, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, peut-être ce sont vraiment des additions, donc 11. Pourquoi je pense trop loin? Oh my god, les potos, man. Help the car cross the bridge. Ok, j'ai aidé le voiture à passer, comme à conduire sur le pont, mais... Brother? Peut-être. Ok... Qu'est-ce qu'il faut que je tape? Est-ce qu'il faut que je slide, si ça? Yo! Je touche à tout, y a rien qui se passe. Si je touche à la voiture, ça fait ça. Oh, peut-être qu'il faut que je couvre le trou avec mon doigt, regardez ça! Je la sentais celle-là. Je la sentais celle-là, les amis! Dès que j'ai vu que je pouvais faire bouger la voiture avec mon doigt, là, c'est GG. He must get to his car to escape the zombies. Il doit aller dans la voiture pour s'enfuir des zombies?
Ok, ça c'était super méga ultra simple. Plus open the soda. Ouvre le soda. Ah, je touche la bouteille. Oh non, shake, shake, shake. Évidemment, soda, shake, shake, shake. Il ne faut pas faire ça dans la vraie vie. Alors là, nous sommes rendus au niveau 36, mais il y a combien de niveaux dans ce jeu? Regardez ça, on a complété tout ça aujourd'hui. Oh my god, 100 cakes. 200? 300? 4? 400? 423? Oh my god, les amis. Vous savez quoi, les amis, on va arrêter ici pour l'instant et nous allons continuer ça la prochaine fois. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors aujourd'hui, on a complété 35 niveaux sur 423. Waouh, j'ai déjà de la difficulté avec les 35 premiers niveaux. J'imagine pas à quoi ressemblent les niveaux 400. J'ai hâte de voir ça, man. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Vous procurez l'un de ces t-shirts de poule grâce au site qui se trouve juste en bas de l'écran. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Blablabla. Thank you very much for the support, amigo. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye.